Bonsoir, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, mon invité est Ségolène Royal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va faire une partie de votre parcours pour arriver assez rapidement aux responsabilités que vous exercez et surtout à l'originalité pour une femme qui s'est à la fois alliée son rôle de mère, son rôle de femme, son rôle de ministre, et le tout apparemment en parfaite harmonie et à la satisfaction de tout le monde. Alors là, vous allez nous expliquer comment ça se fait. Vous êtes née le 22 septembre à Dakar en 53, au Sénégal. Oui. Huit enfants. Donc, oui, pas moi, j'en ai pas eu. Sept frères et sœurs, oui, c'est ça. Petite fille, assez vite, vous rentrez en France. Oui. Hein, et vous installez dans un petit village vosgien, qu'on appelle Chamagne, c'est ça. C'est une famille où on travaille, assez jeune, à 15 ans, on fait les champs, on a des petits boulots comme ça. Et le dimanche, tout le monde va à la messe. Donc c'est à la fois de la rigueur, c'est la foi, c'est un père assez sévère, colonel dans l'armée, rigoureux s'il en est, et une mère plus attirée par la nature, on va aux champignons avec elle, elle est la douceur et la tendresse, et le père, il est la rigueur. Et vous lui rendez hommage d'ailleurs dans un livre, puisque vous dites d'elle, elle a fait une vie sans joie, et elle a subi un mari autoritaire et 8 grossesses en 9 ans. C'est à peu près bien résumé. C'est pas tout à fait exact. C'est comme ça que vous l'avez écrit. Oui, enfin, sans joie. Elle avait la joie quand même d'avoir ses enfants. Oui. Alors c'était quoi le... Des moments de... La vie était assez dure. C'est vrai, la vie était assez dure. Mais en même temps, je crois que c'est une chance aussi de ne pas être dans une enfance totalement choyée. Je crois que c'est ce qui permet aussi d'affronter ensuite la vie, les difficultés... C'est ça qui donne l'énergie. Je crois que c'est ce qui donne l'énergie, oui. C'est se battre très tôt, c'est ce qui donne l'énergie, oui. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression, puisque vous le dites à un moment, vous dites que vos sœurs étaient dans la tradition en charge jusqu'au mariage, puisque prédestinées à ça. Et qu'est-ce qui fait que vous, alors vous sortez de cette rigueur-là et de ce parcours-là, puisque en fait, vous allez faire l'ENA, vous avez fait vos études, etc. On va voir un peu à peu près comment. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes un peu différencié, que vous avez trouvé plus d'énergie ou en tout cas plus d'ambition pour accepter d'être simplement femme et mère? Peut-être parce que j'étais au milieu de la fratrie. Donc, étant la quatrième de la fratrie, j'ai peut-être été protégée d'une certaine façon. Vous savez, on s'éduque entre soi quand on est 8 enfants. Donc finalement, on a un petit peu d'autonomie quand on est peut-être là. Et puis j'ai peut-être eu la chance de trouver sur mon passage aussi des enseignants qui m'ont poussée, qui m'ont fait aimer l'école. Et donc j'ai pris très tôt conscience que l'école, c'était ma chose à moi et que c'était par l'école que j'allais conquérir mon autonomie. Alors ce qui est impressionnant quand on lit un peu, quand on cherche un peu à comprendre votre parcours, c'est que à la fois donc ce goût pour l'école qui vous amène à avoir un destin, et puis, ce goût pour la politique, qui va vous amener à assumer les responsabilités qu'on connaît, ça va venir très tôt, puisque c'est en troisième, j'ai lu ça, dans une grande salle, vous êtes en troisième, et vous assistez à un débat qui est animé par François Giraud, et vous dites, j'étais bouche bée devant ça. C'était un spectacle dont je me rappellerai toujours, qui m'a stupéfait, qui m'a impressionné, qui m'a fait envie. Alors, comment ça s'est passé? C'était où? C'était quoi le débat? J'étais en pension. On avait le droit une fois par semaine de regarder la télévision. Et moi, j'avais choisi de regarder les premiers débats politiques de l'époque. Et c'est vrai que ça me fascinait. Et très tôt, je me suis dit, c'est ça que je voudrais faire un jour. Et je crois que vous avez assisté, je ne sais pas dans quelles conditions, mais votre première vision de la politique, c'était un meeting ou une réunion publique, en tout cas, qui était assurée par Michel Rocard. Oui. Et là aussi, vous avez été emballé. Oui, emballé. Oui, alors, racontez-moi. D'ailleurs, je reste toujours emballée dans les campagnes électorales. Ah, j'ai cru que vous alliez me dire emballée par Rocard. Depuis, vous avez... Oui. Alors, c'était où? C'était dans les années 70, à Épinal, donc j'étais encore au lycée. Voilà, et comment vous retrouvez par le hasard des choses. Votre famille où tout le monde votait Tixier-Vignancourt chez vous. Oui, oui. Et puis vous dites à un moment, et les femmes aussi d'ailleurs, puisque les femmes votent comme les hommes. C'est toujours vrai ça ou pas? Non, je crois que ça, ça a beaucoup changé. Et j'ai vu que beaucoup, je l'ai expérimenté moi-même, même quand de temps en temps elles font croire que c'est vrai, c'est pas vrai. Souvent. Oui, il y a des votes. Il y a une très forte autonomie un peu secret, maintenant, un peu confidentiel qui fait que ça. Du vote féminin.
C'est pas mal d'ailleurs. Oui, hein, mais je crois que de ce parcours, même si à un moment j'étais bien sûr révoltée, parce que je crois que c'est aussi par la révolte qu'on arrive à conquérir une autonomie. Donc je me suis révoltée, je me suis dit jamais, jamais le destin que des femmes de ma famille que je voyais, hein, suggestion au mari, la non-indépendance financière, jamais ça. Et en même temps, je crois aussi ce qui me structure et ce qui m'a structurée, c'est aussi la forme d'autorité paternelle, parce qu'il y avait de l'affection aussi dans cette autorité. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas l'abus de pouvoir. C'était aussi au nom d'une certaine forme de conviction, de rigueur, d'honnêteté. Donc, je veux dire, c'est une transmission aussi des valeurs dont on garde un certain nombre de choses. On en rejette une partie, mais au bout du compte, je crois que c'est cette alliance des contraires aussi qui structure une personnalité. Et de ce point de vue, je crois que mon enfance a été structurée, même si elle n'a pas été toujours facile. C'est à l'ENA que vous rencontrez François Hollande? Oui. Il est de la même promotion? Oui. Et ça fait boum tout de suite ou voilà, non? Voilà, c'est le tout coup de foudre. Oui. Ouais. Non, mais ça se comprend. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Alors, vous êtes diplômé de l'ENA donc en 80, c'est la promotion Voltaire, et vous entrez en 82, je crois. En 80 tout de suite, parce que je prépare la campagne de François Mitterrand. Et vous rentrez tout de suite, c'est je crois sur les conseils d'Athalie. Oui, hein, on est dans la petite équipe qui vous découvre. Oui. Comment? Avec François Hollande, bah parce qu'on avait travaillé pendant la campagne électorale, donc petite main, on répondait aux questionnaires, on faisait les courriers. Donc on avait sympathisé avec Jacques Attali, qui avait trouvé qu'on travaillait bien finalement. Et au moment où François Mitterrand est élu président de la République, Jacques Attali donc, structure un petit groupe de réflexion. Secrétariat. Oui, et donc nous appelle tous les deux, et puis avec Jean-Louis Bianco et Pierre Morel, l'actuel ambassadeur en Chine. Et voilà, donc on travaille comme ça, l'Élysée. Et vous, plutôt vous faites sur des quoi, la famille Oui, moi je m'occupe de l'ensemble des sujets de société, parce que ça m'a toujours passionné. La famille, tous ces petits. La santé, les jeunes, les femmes. Déjà. Déjà. On sent déjà que c'est déjà quand même un support, c'est vraiment là votre passion, c'est là où vous vous sentez le plus utile et c'est là où vous vous sentez le mieux. Alors, vous avez quatre enfants. Oui. Le Thomas qui a 17 ans, Clémence, Julien et Flora. Flora a 9 ans, je crois, la dernière. Et vous vivez maritalement avec François Hollande, que j'ai eu l'honneur de recevoir et à qui j'ai demandé, évidemment, pourquoi il n'était pas marié. Et il m'a... Je ne sais plus s'il me l'a dit, mais enfin, il m'a un peu laissé entendre, d'abord que, bon, ce n'était pas obligatoire. D'autre part, que c'était quand même un peu votre retenue à vous. Voilà, oui, c'est vrai. Oui, pourquoi il ne vous a pas menti. Il ment jamais. Hein. Alors, pourquoi c'est... Parce que les choses sont comme ça. Et quand ça marche comme ça, pourquoi aller faire autrement? Je sais pas, peut-être un rattachement farouche à ma liberté, à mon autonomie, à mon nom. Est-ce que vous êtes quand même à l'époque, à cette époque-là, même il y a 17 ans, je crois qu'une femme qui se mariait perdait son nom, perdait son autonomie. Les choses ont quand même changé, puisque nous venons de voter la transmission du double nom. Et comment vont réagir les enfants à cette situation-là? Est-ce qu'aucun des quatre... Vous n'en savez rien. Si, parce qu'ils le savent quand même. Oui, ils le savent. Mais attendez, je suppose que Flora a 9 ans. Pour l'instant, mais vous pensez qu'à aucun moment, aucun des quatre ne va pas se poser cette question? Pourquoi? Je ne crois pas. Parce que ce qui est important, c'est que les parents restent ensemble pour un enfant. Oui. Ou que s'ils se séparent, que ça se passe bien. Oui, mais donc là, parfois, on leur dit, écoutez, vous avez la chance d'avoir vos parents ensemble, c'est déjà pas mal. Tant de parents se déchirent. Vous pensez qu'à aucun moment, ils vont se dire, et pourquoi pas? C'est-à-dire, le pourquoi, ce n'est pas forcé d'être une inquiétude, mais ça peut être un désir de compréhension. Ils peuvent éventuellement se dire, et pourquoi finalement, ils ne se marient pas, c'est une belle fête, c'est une marque, je ne sais pas, c'est comme un engagement. Oui, non, mais il n'y a pas non plus de refus obstiné. Donc peut-être qu'on fêtera ça. Et peut-être qu'on va fêter ça. Pourquoi pas? Lorsque Thomas aura 21 ans. Pourquoi pas? Alors, en juin 88, de juin 88 à avril 92, vous êtes élu député des Deux-Sèvres, et là dans des conditions assez incroyables, hein, puisque vous étiez donc avec Mitterrand, et on vous débarque carrément, on vous débarque peu de temps avant l'élection, pour vous inscrire, et on ne vous donne aucune chance. Aucune chance. Oui, oui, non, François Mitterrand me dit, bah, vous ferez vos clats, vous ferez votre expérience. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et vous gagnez avec 522 voix d'avance sur votre concurrent. Et là, c'est une surprise incroyable parce que franchement, c'était pas. En plus, le département n'était pas du tout. Pas facile, non. Ces conscriptions redécoupées par Pasqua. C'était vraiment fait sur mesure pour le candidat d'en face. Vous êtes réélu en 93. Je crois même la mieux réélue en 93 de tous les socialistes.
C'est vrai. Alors, à quoi c'est dû, ça? Au travail. Vraiment? Mais je ne veux pas dire que tous ceux qui sont battus n'ont pas travaillé, attention. Non, mais, au travail, au dans travail, la circonscription. De 88 oui. à 92. Oui. Vous êtes resté, vous oui. avez bossé, vous avez vu les oui. gens, ils vous ont vu, ils étaient oui. fiers de vous. Au hein? travail de proximité, oui. Ça paye, à ça. À l'attente, à l'écoute, au plaisir aussi. Bah, évidemment, on peut dire pratiquement, vous faites partie de ceux qui, dans le paysage local, être considéré comme incontestable, et même les gens qui ne vous sont pas favorables sur le plan de l'éthique politique ou de l'idée politique sont très très contents et fiers. Ce qui veut dire aussi quand même que quelque part, la projection de l'image que les hommes ou femmes politiques donnent joue un rôle presque aussi important que les idées qu'ils défendent, non? Vous n'avez pas un peu ce sentiment-là? Bah, ce serait un peu triste quand même de penser ça, hein, si on était élu que sur l'image. Non, l'image, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Hein. L'image, c'est pas forcément de la frime. Oui. Hein. L'image, c'est le résultat. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'image que les gens se font de vous, c'est-à-dire l'idée qu'ils se font de vous. Ils se font une idée au travers ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Je pense que la politique, c'est une question de fidélité. C'est-à-dire, c'est pas seulement la fidélité par la présence, mais aussi c'est la fidélité presque affective. On ne joue pas en politique, comme on ne joue pas d'ailleurs à la télévision, que tout se voit, tout se sait, les gens sont très intelligents. Donc la façon aussi dont on fait les choses, peut-être ça rejoint ce que vous dites, la façon dont on fait les choses compte autant que ce que l'on fait, que le résultat qu'on obtient. C'est-à-dire, parfois je me suis impliquée très fortement sur certains dossiers sur lesquels je n'ai pas obtenu gain de cause, mais la façon dont je m'en suis occupée m'a valu autant de reconnaissance que le résultat ou que le non-résultat lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, très bien. Donc, je crois que c'est dans ça. Dans ce que vous c'est... dites, il y a une chose qui me paraît essentielle et qui n'est pas partagée par beaucoup de monde. C'est, et on ne va pas tomber dans la démagogie ni dans le poujadisme en disant ça, mais c'est vrai, c'est l'intelligence des gens oui. à comprendre pratiquement pas autant tout. Que l'élite, tout. Tout. Et je dirais, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais en particulier sur les exercices à la télévision, ceux qui n'ont pas la culture ou la connaissance compensent très largement par l'intuition. Et que dans ce qu'on leur explique, leur intuition presque suffit parfois à comprendre quel est le niveau de sincérité de ce qu'on leur dit et quelle est la qualification que celui qui parle a pour le dire. C'est un peu votre avis aussi, oui, ça? Oui, hein, c'est pour ça que je pense que la télévision a tort de penser qu'elle fait l'audimat sur des émissions racoleuses ou voyeuristes. Parce que même si les gens regardent, une grande partie désapprouve. Et je crois que massivement, l'opinion publique populaire a envie de choses de qualité. Ce qui ne veut pas dire de choses ennuyeuses, ça peut être des émissions très populaires, mais de qualité, qui les prennent justement comme des téléspectateurs intelligents et honnêtes. Et ça, je crois qu'il y a très souvent un défaut ou une mauvaise interprétation des choses, une démagogie, une facilité, que ce soit dans les médias ou en politique, qui pensent qu'avec le plus grand nombre, il faut s'aligner vers le bas. Je n'ai jamais pensé ça. Je crois qu'avec le... Même quand je suis dans une petite réunion de 5 personnes, je donne autant de moi-même que dans une réunion où il y a 500 personnes. Bien sûr. Vous êtes ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Bérégovoy en 92. De 95 à 97, délégué national du PS, vous êtes chargé du service public. Et enfin, juin 97, ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire. Jusqu'en 2000, au départ de M. Allègre, où vous devenez ministre délégué à la famille et à l'enfance. Et vous avez même, je crois, depuis la tutelle des handicapés. Oui. Voilà. Alors, première contre-performance. Qui n'est pas dû à votre fait, qui est dû au fait que vous êtes enthousiaste derrière Jacques Delors, que vous êtes attaché à cet homme, à ses idées, vous croyez en l'homme, enfin bon, ça se voit, je crois que François Hollande aussi. Oui. On sait que vous êtes doloriste, comme on dit, et Delors, avec qui vous préparez d'ailleurs activement les élections présidentielles, paf, patatrac, il ne se présente pas, et je crois que ça a été pour vous vécu, enfin, comme quelque chose de douloureux. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est douloureux parce que ça m'a même conduit à démissionner du Conseil national du Parti socialiste, à refuser de prendre position entre les deux candidats et Emmanuel. Oui, parce que moi, je suis une femme de fidélité. Et c'est vrai que se réorienter, faire un tour de piste à 180 degrés pour aller soutenir quelqu'un d'autre, bon, j'ai besoin de faire la pause aussi à ce moment-là. Alors, ce qui m'a coûté un peu cher. Parce que quand même, vous l'avez tellement côtoyé, vous étiez tellement proche de lui. Comment expliquer ce renoncement qui était totalement imprévisible?
Aujourd'hui, plein de personnes m'expliquent, mais non, c'était évident. Bon, c'était évident. Moi, je revois même l'émission elle-même. Oui. L'émission elle-même, où ils nous expliquent tout ce qu'il faut faire. Oui, oui. Pour nous dire, voilà, il faut le prendre comme ça, il faut le faire là, ça, il faut le prendre ici, ça, on le met comme ça pour que ça aille bien, et je ne viens pas. Oui. On s'est dit, on était plusieurs à se demander si oui. on était... Si bon. On avait bien entendu. Ouais. Donc, comment vous l'expliquez aujourd'hui ? Je pense que, fondamentalement, il n'avait pas envie de se confronter au suffrage universel. Ce n'est pas dans son tempérament. Ça. Oui. L'histoire qui dit que sa fille l'a plus encouragée parce qu'elle craignait plus ou moins que finalement ça l'empêche, elle, d'avoir un destin auquel elle aspire. Pas. Vous ne croyez pas non, à ça ? Non. Non, hein ? Non, parce que je pense que quand on a la passion politique et la passion d'une élection, rien n'arrête. Et rien n'arrête. Si, ça, ce qui peut arrêter, c'est la santé d'un enfant, voilà, c'est, ouais. c'est la difficulté d'un conjoint, c'est un accident affreux qui vous mine sur le plan affectif. Ça vous arrête. Voilà, moi, c'est ce qui m'arrêterait, qui vous fait perdre l'envie, qui remet la hiérarchie des choses voilà. à sa juste place. Voilà. Mais sinon, les objections des uns ou des autres, ça résiste pas, je crois. Alors, je ne vais pas vous vexer si je vous dis que depuis le départ de votre vie politique, vous avez quand même un parcours qu'on peut dire original. Original étant, et pas commun. Hein, oui. Pas forcément drôle, il attire pas forcément, mais il est original. Alors, je vais vous donner plusieurs de ces actes qui justifient un peu cette originalité. Certains ont été compris, d'autres moins. Par exemple, lorsque vous faites le reportage sur Match, avec cette quatrième enfant, en 92, ça a surpris beaucoup de gens, parce que vous n'êtes pas tapageuse, vous n'êtes pas m'as-tu vu, vous n'êtes pas... Et d'un seul coup, on dit, mais tiens, elle fait comme, je ne sais pas, Céline Dion. Oui. Elle nous met... Alors, ça, c'était quoi ? Rien, l'envie. L'envie. L'envie de dire oui à une demande. C'est pas moi qui suis allée chercher Match. Non, je me doute. Mais vous êtes dit, tiens, pourquoi pas, finalement. Oui, Caroline de Monaco, oui. Et puis alors, et moi ? Non, parce que j'étais assez fière d'avoir mon enfant. Oui. Et je me suis dit, l'époque était bien lointaine déjà, où les femmes un peu exposées cachaient leur maternité. Hein, donc, on pouvait pas concilier. Donc, c'était rien d'autre. C'était rien d'autre. L'envie de se faire plaisir. On peut dire un petit... Voilà. Une petite envie comme ça, voilà. En passant. Vous quittez un jour l'Élysée dans une voiture électrique, c'est au moment où vous êtes ministre de l'Environnement, oui. c'est ça, et vous voulez dire que, bah oui, c'est mieux que le moteur à essence, oui. c'est moins polluant, bien, oui. etc. Oui. Bon, ça aussi, c'est de la pédagogie, ça. C'est de la pédagogie. Oui. Vous vous rendez à la Garden Party avec le cabas à la main pour vanter les mérites du fromage de chèvre de votre circonscription. Oui. Et vous faites d'ailleurs ce chabichou, je crois que vous en avez fait faire une appellation contrôlée. Contrôlée, oui. Alors, maintenant, il y a 3 millions de litres de lait transformés en chabichou. En chabichou. Il est bon, c'est un bon fromage. Délicieux, oui. Délicieux. Génial. Oui. Bah oui, puis surtout, ça crée des emplois. Ça permet à des jeunes de se réinstaller dans la production de lait. C'est formidable. Ça donc, ça aussi, c'était je suis dans la ligne normale de mon activité. Voilà, je remplis ma fonction. Et quand vous défilez. Je te demande et quand vous défilez avec un costume traditionnel poitevin à une fête de village, oui. ça fait partie. Des choses qui montrent que vous êtes comme les autres et que vous êtes. C'est joli en plus. Vous avez envie de faire la promotion de ça. Alors, vous avez su qu'il y avait eu la rumeur. Je crois que vous l'avez su, vous, après tout le monde. On a fait de vous la fille de François Mitterrand. Oui, j'ai su après tout le monde. Enfin, comme toutes les rumeurs, c'est le plus concerné qui est le dernier informé. On avait fait de ma femme la fille de Bérégovoy. Ah bon ? On avait fait de ma femme la fille naturelle de Bérégovoy. Ce qui expliquait pourquoi il m'avait. Ah bon, ministre. C'est pas possible. Ah oui, oui, bah bien sûr, je pouvais pas avoir été invité à être ministre parce que j'étais capable. Bah, il y avait forcément une combine. Et qui était la mère potentielle virtuelle, alors ça, vous ne savez pas. Ça, on vous l'a jamais dit. Bah, c'est sa mère. Sa mère, Catherine elle. Deneuve, la vraie non, mère. Oui. Elle va être contente, Catherine Deneuve. Alors, remarquez, on n'a pas fait de vous sa maîtresse. Non. Ce qui était pas mal. Mais peut-être, parce que j'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu les ragots. Toutes les jolies femmes qui ont été. À l'Élysée, souvent, on en faisait ses maîtresses, ou en tout cas la maîtresse de quelqu'un de l'Élysée. Pas vous. Non, vous voyez, non, on vous prêtait quand même déjà cette fidélité légendaire. Mais par contre, vous étiez sa fille naturelle. Peut-être ça pour me faire plaisir. Non, quand vous l'avez su. Je ne vais pas me dire les rumeurs les plus horribles. Non, non. Quand vous l'avez su, comment ça vous a fait rire ? Ça m'a fait rire. Oui, oui, c'était étonnant. Mais oui. vous étiez la Parce seule. Que c'est même revenu aux oreilles de ma mère, alors elle était quand même surprise. Bah, évidemment. Oui. Mais moi, je me souviens, on était tous au courant de ça. Ah bon ? Mais oui. Pourquoi personne ne m'en a parlé ? Bah, comment vous l'avez su ? Je ne me souviens plus, par un journaliste, je pense.
Oui, non, non, c'était vraiment une vraie rumeur, ouais. Hein, une vraie rumeur. C'était pas mal d'ailleurs, bon, oui. Fille naturelle de François Mitterrand. Bon. On va un peu faire le parcours maintenant de vos idées, de vos convictions, au travers de ce que vous avez dit ou ce que vous avez écrit, puis vous allez nous le commenter un peu. La vie politique est brutale jusqu'à la cruauté. Ça, c'est un constat, je veux dire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que ça vient du fait qu'en politique, pour être le leader qui va affronter les autres, il faut d'abord tuer ses potes, puisqu'il faut être meilleur? Non, parce que moi, je n'ai jamais connu ça. J'ai eu la chance. Oui, vous, vous envoyez là où c'était impossible à gagner, donc il n'y avait pas de concurrence. Donc, je n'ai pas eu à faire de conflits internes. Mais c'est vrai, je pense que ce sont les conflits internes qui sont souvent les plus durs. Mais par exemple, regardez, là, il y a une bagarre qui n'existe pas encore. Hein, pour l'instant, il y a le chevalier de droite qui va rencontrer le chevalier de gauche. Oui. Mais derrière le combat des chevaliers, oui. Il y a les sous-chevaliers. Et oui, là, il y en a 3-4 à droite et il y en a 3-4 à gauche. Oui. Et là, ce qui est amusant, c'est que forcément, là... Ils ont tous envie de la même chose, oui. Sans se le dire. Et alors, ça va jusqu'à quels actes de cruauté pour arriver à être celui qui va être choisi, d'après vous? Qu'ils sont? Je pense qu'une des forces de Lionel Jospin, et qui explique sans doute sa longévité à la tête du gouvernement pendant 5 ans, c'est qu'il a réussi, au fond, à faire vivre ensemble et de façon amicale des personnalités aussi différentes que celles auxquelles vous faites allusion. Et je dis ça sans démagogie. C'est-à-dire, j'ai vu ce gouvernement fonctionner, j'ai vu Lionel Jospin faire, j'ai vu ce gouvernement travailler, y compris dans cette campagne électorale. Il y a de l'affection, il y a de l'amitié. Chacun, bien sûr, a sa personnalité. Et puis vous savez, la politique, c'est un métier aussi qui déforme un peu, qui rend un peu mégalo d'une certaine façon. Non pas parce qu'on est mégalo en tant que tel, mais parce qu'on est tellement exposé à un moment donné qu'on a tendance à se replier sur soi en disant « est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, que pense un tel, que pense un tel ?» Donc, la politique, il faut gagner, sans ça, on ne sert à rien. Et puis il faut gagner. Donc, si on veut imposer ses idées, il faut à un moment être en situation de les imposer. Il faut gagner, donc ça veut dire qu'il faut quand même s'imposer. C'est de la compétition. C'est de la compétition, donc comme toute compétition, ça déforme un peu. Si on n'y prend pas garde, il faut résister aussi à ces tendances à être un peu déformées. C'est ce qui fait que de temps en temps, quand un des prétendants concurrents a un petit emmerde, on n'est pas mécontent, quoi. Non, je pense pas. Non, ça n'existe pas à gauche. Non, parce que même quand quelqu'un de l'opposition de droite a un gros ennui, parce qu'au bout du compte, il y a un respect aussi entre hommes et femmes politiques, dans la mesure où on connaît aussi les suggestions et parfois la difficulté de la tâche et la force des épreuves. Donc, même si, à un moment ou un autre, on s'exprime de telle ou telle façon, je crois qu'au bout du compte, il y a quand même un fond de solidarité qui fait que... On ne se réjouit pas du malheur des autres. Non, je n'ai jamais connu ça, en tout cas. Donc, il n'y a pas de cruauté, alors? Non, j'ai jamais connu ça. Alors, vous dites aussi, les politiques ne reçoivent des compliments de leurs opposants qu'au moment de leur oraison funèbre. Ça, c'est très juste. J'ai remarqué, oui. Quand un mec meurt, tout le monde... C'était effrayant. Oh, il était bien, il était formidable. Quel type... Ça, c'était vraiment un génie. C'est terrible. Hein, ouais. On dit du bien de lui quand il crève. Ouais. Parce qu'en fait, il n'emmerde plus personne. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi. Alors, on a dit de vous. Alors, on a dit un parlementaire, comme ça, ça ne les mouille pas. Que vous étiez une nouvelle femme sereine qui réussit la synthèse des trois pouvoirs. Mm-hmm. Carrière, maternité, vie affective. Je ne vois pas en quoi c'est un pouvoir. Ils n'en savent rien, bon. Cela dit. Bon, un pouvoir, ça doit être votre mari qui a parlé. vous êtes d'accord avec ça, quand même? Il y a des choses qui relèvent de l'intime, donc de toute façon, qui n'a pas été exposé. En tout cas, si ça ne marchait pas, ça se saurait. Voilà, si ça ne marchait pas, ça se saurait. Voilà. Oui. Donc on peut considérer que ça se sait. Voilà, que en tout cas, l'équilibre... Les trois, ça marche bien. Et alors, un autre, le même député disait un peu plus loin que vous aviez réussi à passionner les élus les plus obtus aux affaires de bonnes femmes. Oui, c'est pas faux, ça. Et ça, je crois que c'est vrai, parce que tout ce que vous avez, c'est quand même à l'origine... Non pas des affaires de bonnes femmes, mais des affaires pour lesquelles les femmes sont les plus sensibles. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est des affaires de bonnes femmes, car c'est vraiment des affaires qui visent tout le monde. Mais c'est vrai que l'école maternelle, tout ça, c'est quand même un peu... Alors, sur l'école maternelle, bon, vous dites que c'est la première étape de la réussite scolaire. Oui. Je crois que ça, c'est vrai. Oui. Les principes, les valeurs, les règles du jeu républicain et scolaire, cela commence à la maternelle. Mmh. Et d'ailleurs, c'est là où il y a le moins de violence. Mmh. Alors, c'est un constat tellement évident. Oui. C'est tellement évident. Et on a tellement mal réussi aujourd'hui, encore après 15 années de pouvoir de gauche,
on a encore tellement mal réussi à rompre cette inégalité insupportable qu'est celle du savoir, que pourquoi on ne trouve pas la solution et pourquoi on ne met pas en place les moyens qu'il faut pour... Parce que la seule vraie inégalité, après le reste, c'est l'intelligence, c'est quand même celle de ne pas avoir accès au savoir de la même manière. Oui. Bah, on a quand même beaucoup, énormément progressé. Ah bon, il n'y a pas un fils de prolo qui fait Polytechnique. Oui, mais par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Il n'y en avait pas avant, il n'y en a pas encore. Il y a 100% des enfants qui sont à l'école maternelle. Oui. En Allemagne, il y a 10% des enfants qui sont à l'école maternelle et la scolarisation est à 6 ans. C'est vrai que j'ai appelé l'école maternelle l'école de tous les possibles. Parce que c'est là que se joue. Tout se joue là, dans la maîtrise du langage. Et puis en dans la faculté, un enfant est ouvert. Hein. Oui, dans la faculté. C'est une éponge dans, à cet âge-là. Dans la maîtrise de la parole, dans la capacité à se faire entendre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire encore là, sur l'école maternelle pour aller vraiment plus loin? On fait déjà énormément. C'est quand même un des joyaux de notre système scolaire, hein, l'école maternelle. Mais après, je crois que c'est aussi le travail sur la distance. La véritable inégalité, elle est entre les enfants qui peuvent se faire aider à la maison et les autres. Bon, donc sauf à réaliser une société où on arrache les enfants à leur famille, si on veut rêver une société totalement inégalitaire qui deviendrait une société totalitaire. Je crois pas, parce que maintenant, les moyens de communication, donc les moyens utilisés pour l'apprentissage, maintenant vont pouvoir rentrer dans les foyers sans que les parents soient capables ou soient utiles. Oui, mais enfin, rien ne remplacera le dialogue parental avec l'enfant. Donc, c'est là où il faut des compensations, regardez, dans le périscolaire. Quand on regarde bien, vous croyez que l'avocat qui fait 14 heures par jour, vous croyez que le médecin qui rentre chez lui harassé à 9h30, il ne communique pas tellement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de communication directe, simplement il baigne dans un environnement cultivé où il entend parler de culture générale, des auteurs, des peintres, au théâtre, etc. Il n'entend pas parler que de football et de... Donc, la connaissance, c'est pas seulement la transmission du savoir du père au fils ou de la mère au fils, c'est aussi dans quel bain on est. Et je pense qu'Internet, de ce point de vue, est un moyen de connaissance qui est mis à la disposition d'un lieu donné, même s'il est dans un environnement totalement dénué de culture, et à la disposition de la curiosité de chacun. Et si l'école stimule cette curiosité-là, cet appétit-là, je pense qu'on va enfin avoir le moyen d'avoir accès à la connaissance universelle. C'est pour ça que vous avez accès beaucoup. Moi, je sais que vous avez participé beaucoup à la volonté d'élaborer dans chaque... Je crois que dans le programme de Jospin, là, il y a ça, là. Oui. Hein, il y a une grosse part sur la diffusion des moyens technologiques modernes. Qui ne remplaceront jamais le contact humain. Bien sûr, Je crois quand même qu'il faut dire aussi que l'école fait réussir des élèves issus de milieux défavorisés. Et heureusement. Donc déjà, si chaque enfant profite à plein de l'enseignement de l'école, je veux dire, les itinéraires, pour moi qui me suis beaucoup occupée des zones d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les réussites paradoxales, enfin, elles existent, mais elles doivent exister beaucoup plus massivement aujourd'hui qu'elles n'existent. Et je crois que la compensation... Vous avez été la première à vous pencher sur ce qu'on appelait les ZEP. Enfin, Lionel Jospin les avait créés quand il était ministre de l'Éducation, mais c'est vrai que c'est moi qui les ai relancés. En fait, c'est les zones d'excellence pour des gosses qui n'ont pas accès à la culture. J'adore cette phrase, parce que des zones d'excellence, c'est vraiment effectivement ce qu'il faut expliquer. C'est que l'excellence, cette espèce de volonté, de désir d'être exigeant, doit s'adapter à tous les enfants. La lutte contre les inégalités se fait non pas en rabaissant les exigences, mais au contraire, en les maintenant à très haut niveau et en exigeant que dans chaque collège de ZEP, il y ait un pôle d'excellence, que ce soit sur les langues, que ce soit sur la science, sur les arts, sur la musique, sur la technique, je veux dire. Élèves, parce qu'ils ont donc d'autres compétences. L'école sélectionne sur des compétences scolaires. C'est-à-dire, alors que certains élèves ne sont pas formatés pour le collège. Donc, on a d'excellents élèves issus de milieux très défavorisés à l'école primaire qui plongent au collège, parce que le collège est formaté pour les élèves issus des classes moyennes supérieures. Oui, et puis quand un état d'esprit adapté à cet apprentissage-là. Voilà. Est-ce que vous êtes de celles qui pensent que chaque être au monde a un talent? Tous, on est tous porteurs d'un talent, de quelque chose que les autres n'ont pas, et que la difficulté, alors parfois la nature fait bien les choses, mais que la difficulté, et l'école ne peut pas le faire, en tout cas elle ne le fait pas aujourd'hui, c'est de savoir ouvrir suffisamment de pistes pour qu'on découvre ce pourquoi l'enfant est fait.
Oui. Et on laisse le hasard jouer son rôle, alors qu'on n'a pas d'éléments qui sont des éléments d'appréciation et d'expertise qui déterminent. Moi, je prends toujours des exemples volontiers exagérés. Par exemple, Jean-Claude Killy, né à La Courneuve. Jean-Claude Killy, né à La Courneuve, il est rien du tout. Je veux dire, alors qu'il est 3 fois champion olympique, il est né à Val d'Isère, et que ce statut-là lui a donné après accès, parce que c'est un homme d'une grande intelligence, mais on ne peut pas laisser tout le temps faire le hasard. Alors quand on est dans une famille très nantie, le hasard est aidé, parce que le hasard, il y a les connaissances, il y a le carnet d'adresses, il y a les copains, il y a les habitudes, il y a l'histoire. Mais dans ces familles d'ouvriers ou dans les familles les plus défavorisées, il n'y a pas de carnet d'adresses, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de relation, il n'y a rien du tout, il n'y a que ce que l'école suggère. Alors quand on arrive au collège et qu'on ne sait pas bien lire, qu'on ne maîtrise pas l'écriture, qu'on ne maîtrise pas la lecture, etc., là, on est planté parce qu'on passe son temps à s'emmerder et à prendre conscience qu'on est nullissime. Oui, et le retard scolaire, bon, ça c'est une chose. Mais moi, ma conviction, c'est qu'on peut toujours raccrocher un élève en situation d'échec scolaire. J'en sais quelque chose, j'ai fait des écoles pour oui, ça. Oui, peut-être par un processus détourné, oui. J'ai fait des écoles de formation pour peut-être des jeunes. Peut-être par un processus détourné, ça peut être par le sport, ça peut être par l'expression artistique, ça peut être par la parole, la tchatch, le goût c'est du commerce. Prendre conscience qu'on n'est pas nul. Oui, donc c'est qu'il y a un potentiel de toute façon quelque part, puisqu'il faut un socle pour continuer à progresser. Exactement. Donc si on redonne l'estime de lui, l'estime de soi à un des élèves, à ce moment-là, il peut continuer à progresser. Mais c'est effectivement, si on l'enfonce et si dans l'ensemble des disciplines scolaires, il n'est pas bon et qu'on lui dit tous les jours t'es un mauvais, t'es un nul, t'y arriveras jamais. On n'a pas besoin de lui dire. Hein. On n'a pas besoin de lui dire. Oui, parce que forcément, il s'en rend compte. Il perd confiance. Alors, la lutte contre la pédophilie et la violence, bon, ça, c'est vraiment. Enfin, de tout ce qui a été fait, de tout ce que vous avez entrepris. En particulier ce slogan « se taire, c'est laisser faire », ça c'est quelque chose qui, de nos jours, là, touche de le doigt dessus, en plein du... car on peut dire que toutes les nuisances d'une société, dès lors qu'elles sont cachées, dès lors qu'elles ne sont pas révélées, elles dissimulent les pires choses sans qu'on puisse s'y attaquer. Oui, Je crois que quand vous dites « une société doit tout entière accepter la fin de l'omerta », que la levée définitive de la loi du silence est possible, on a fait un grand pas. Oui. C'est-à-dire, il faut, et c'est en disant aux enfants, vous en particulier, dites ce qui s'est passé, n'ayez pas honte de ce qui s'est passé, révélez-le. Alors expliquez-nous un peu où vous êtes allé chercher cette espèce de conviction qu'il fallait faire parler, il fallait que, même si c'est douloureux, parce que ça doit être douloureux, ça doit créer des... il est probable que quand on enfouit chez un enfant quelque chose, ça doit être... Bon, c'est une forme de psychanalyse que de lui dire, il faut l'évacuer. Peut-être en rencontrant les victimes, ça m'est venu un jour, à force d'en voir, quand je m'occupais du système scolaire. Et puis à un moment, je me suis dit, mais elles ont raison, les gens qui étaient broyés par l'institution, qu'on ne croyait pas, qu'on renvoyait... Des parents d'enfants abusés sexuellement qu'on envoyait en expertise psychiatrique, parce qu'on estimait qu'ils étaient des menteurs. Vous savez, les gens qui passent et puis qui se détournent, qui savent qu'il y a quelque chose de mal qui se passe à côté d'eux, mais qui c'est trop compliqué, on va pas s'en mêler. Oh là là, tout ça pour un pauvre gosse, à quoi ça sert? C'est peut-être même pas vrai. Puis c'est peut-être même pas vrai. Puis on est dans le déni parce que c'est tellement plus facile d'être dans le déni. Donc, là, ça a été vraiment une révélation. Oui, et puis c'est lourd à porter, hein, parce que ça fait sortir des choses, ça fait des prises de parole, et puis ça veut dire qu'il faut que les adultes soient à la hauteur derrière. Parce qu'un enfant à qui on dit de parler, qui parle, si derrière on le traite de menteur, il se dit alors j'ai fait l'effort de parler. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Parce que là, ça fait le silence derrière. Et là, toutes les institutions sont. Et parce que s'il a menti, on le punit en plus. Oui. Et comme c'est souvent la parole de l'enfant contre la parole du pédophile. C'est très dur parce que l'enfant qui ne peut pas imaginer des scénarios sexuels, il va raconter son histoire avec des mots simples. Apparemment, il n'est pas traumatisé. Mais en face, le pédophile, lui, qui est un malin et un pervers, il va pleurnicher, il va faire du chantage au suicide, il va dire c'est pas vrai, il va porter plainte en dénonciation calomnieuse. Donc les institutions vont avoir peur puisqu'elles ont en face un adulte qui fait pression et puis un enfant qui a les moyens et un enfant qui apparemment n'a soi-disant pas de traumatisme. Vous savez, si on est dans le déni, si on n'est pas très courageux, ben le choix, il est vite fait. Donc on étouffe, on dit à l'enfant de se taire, et sans doute, il a imaginé tout ça. Est-ce que c'est un peu dans le même esprit, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose, que je vous ai entendu dire que dans les groupes, les jeunes filles, maintenant, ne savent pas dire non.
et qu'elles ont tendance à céder à une espèce de violence, qui est une violence organisée ou en bande en tout cas, qui, par la menace, par la pression, par le chantage, ou même par simplement des fausses flatteries, des fausses promesses, arrive à transformer ces femmes en décors obéissant à leurs fantasmes. Oui, je pense qu'il y a une forme de régression. Il y a à la fois une progression au niveau du discours politique et de la prise de conscience d'une société sur l'égalité entre hommes et femmes, avec la parité, avec l'égalité professionnelle, avec la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et en même temps quand même une formidable régression de l'image des femmes, avec la loi du marché, le libéralisme, ce qui rapporte en termes d'image, de médiatisation, d'obscénité. Donc il y a eu une enquête qui a été faite auprès des collégiennes et des lycéennes, où elles sont 2/10 quand même à subir des agressions sexuelles, y compris verbales, parce que les agressions sexuelles verbales sont marquent extrêmement fortement, y compris dans les cours d'école du primaire maintenant. Donc ce qui véhicule ça aussi, d'une certaine façon, c'est aussi l'image de la femme dans la publicité, dans les médias, dans certains films, dans les émissions dites de société. Et je pense qu'il faut quand même... C'est là où vous dites, en fait, et c'est d'ailleurs le paradoxe, et c'est ce qui vous donne cette crédibilité, parce que vous défendez le Pax, parce que vous avez pris des positions qui étaient des positions courageuses, parce qu'elles n'allaient pas dans le sens de la facilité, mais néanmoins vous dites qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas... il y a des choses taboues, on ne peut pas tout tolérer, on ne peut pas tout accepter, il faut savoir dire, il y a des interdits... cette ambiguïté-là, on l'a retrouvée au moment où vous avez dénoncé l'utilisation de la femme pour des catalogues de publicité ou je ne sais pas quoi. Et vous avez dit, mais non, vous l'avez dit avec beaucoup plus d'élégance que moi, on peut faire la défense de la femme, on peut faire l'égalité des sexes, on peut faire... Et il suffit qu'on prenne fait et cause pour la défense d'une femme pour être traité de ringarde. Oui. Je me souviens, ça vous avait vraiment heurté. Oui. Vous avez dit, mais alors, ça veut dire que si on est ouverte et tolérante sur les sentiments, sur l'évolution des mœurs, etc., ça veut dire qu'on passe forcément du côté de tout est permis. Oui. Rien n'est permis ou tout est permis. Tout est permis, oui. Et ça, vous l'avez ressenti comme ça ? Oui, mais maintenant, on est très au clair, je suis très au clair. Le problème, c'est la confusion des valeurs. Or, c'est assez simple, les règles du jeu. Dans une société très permissive et heureusement, qui a conquis beaucoup de liberté, y compris de liberté sexuelle, il y a un principe qui est intangible, c'est celui de la protection des mineurs. La place des adultes, la place des mineurs et la place des enfants. Donc à partir de là, les choses se déclinent assez simplement. Par exemple, la sexualité adulte n'a pas à être exhibée. Par exemple, dans les émissions pour adolescents, la perversité adulte n'a pas à les pousser à faire des confidences sur leur intimité. Je pense à certaines radios adolescentes. Parce qu'on est dans la confusion des genres et dans la confusion des valeurs. Donc la protection des mineurs, c'est quelque chose qui doit être... qui ne souffre pas d'exception, ni de faiblesse, ni de démagogie. Et comme on est dans une société où les adultes veulent soi-disant rester jeunes, passer pour jeunes, ils entrent dans une confusion des rôles qui n'est pas la leur. Donc chacun sa place, la place des adultes, la place des adolescents. Et comme on peut et faire à la radio, par exemple. Une femme peut très bien avoir envie à 11h du soir, elle peut avoir une radio qui répond à des, bon, ce qu'on appelle les émissions pseudo-psycho, sexo, etc. Où, voilà, j'ai du mal à avoir un orgasme parce que mon mari, il est éjaculateur précoce, enfin, il sort tout un tas de conneries classiques. Mm. Bon, la radio, on peut concevoir que c'est une radio... qui a envie d'avoir cette émission-là à 11h le soir, et on peut empêcher les adolescents l'écoute. On fait un avertissement en disant que cette émission réservée aux adultes, mais on ne pousse pas des... Vous pensez que ça suffit ? Ben c'est déjà pas mal, c'est loin d'être le cas, puisqu'aujourd'hui, puisqu'au contraire, il y a des émissions qui poussent les adolescents à s'exhiber. Or, je ne pense pas que ça soit tellement ce qu'ils recherchent, avec des adultes complaisants, y compris sur l'apologie du viol, y compris sur les rapports sexuels collectifs. Et ça, je pense que c'est pas... C'est pas la solution, en tout cas. C'est pas structure, en tout cas, pour les adolescents. Non. Et si on n'ose pas dire ça, ça veut dire qu'on est aussi dans le refus d'assumer sa responsabilité d'adulte. Donc, si encore un adulte disait à la télévision, parce qu'il faut aussi des espaces de liberté d'expression pour les jeunes, bah, disait, bah, tu vois, un viol, c'est tant de peines de prison dans le code pénal. À ce moment-là, il restructure la prise de parole de l'adolescent. Mais le pire, ce sont ces adultes qui jouent à être adolescents, et des adolescents qui sont en demande d'adultes consistants. Vous savez, quand on regarde le problème des adolescents qui sont dans les conduites à risque, ou qui sont dans les tentatives de suicide, ou malheureusement dans les suicides réussis,
ce sont quasi toujours des adolescents qui n'ont pas eu d'adultes suffisamment structurés en face d'eux, qui à un moment leur disent « ça, je ne suis pas d'accord, ça, ce n'est pas comme ça, ça, c'est non ». Donc, parce que dans le refus de tout tolérer d'un adolescent, il y a une formidable potentiel d'amour. Un adulte qui n'est plus capable de dire non à un adolescent, c'est un adulte qui n'aime pas cet adolescent-là. Et les enfants le savent très bien. Et quand je me suis beaucoup occupée des écoles maternelles et qu'on avait déjà des problèmes d'agressivité chez les enfants de 3 ans, on a regardé ce qui se passait. C'est assez simple, les enfants de 3 ans qui sont insupportables, qui commencent à taper sur les autres. Soit ce sont des enfants maltraités par leurs parents, donc ils sont en grande souffrance, soit ce sont des enfants délaissés par leurs parents, c'est-à-dire des gamins qui, jusqu'à l'âge de 3 ans, n'ont jamais entendu leurs parents leur dire non. Ces enfants-là sont dans des situations d'extrême souffrance, parce qu'à aucun moment, ils n'ont une limite contre lesquelles se confronter. Et sans limite, on ne peut pas conquérir l'autonomie. Donc si on aime les jeunes, on leur met des limites. Est-ce que votre souci d'empêcher ce que vous appelez les maltraitances audiovisuelles, est-ce que vous êtes consciente que l'exercice est très compliqué dans la mesure où une chaîne de télévision dont le capital appartient à des actionnaires privés et dont l'objectif n'est pas d'être pédagogue et pas d'être, formateur, et pas, même si effectivement ils le disent, ils disent que leur souci c'est... Mais néanmoins il y a un gros souci qui est quand même celui de la rentabilité, qui est celui de l'écoute, la force écoute. Bon. Tout à l'heure vous disiez, on peut intéresser les gens, c'est incontestable, sur des sujets qui sont sérieux, etc. Bon. Peut-être, n'empêche que la seule fois où l'Assis a fait des scores, la seule fois, et Dieu sait si tout au long de l'année, depuis plusieurs années, l'Assis est une chaîne qui élabore des sujets, des sujets variés, intelligents, avec des émissions, des magazines, des films, de la fiction, du sport. Oui. La seule fois où ils ont fait des grosses audiences, c'est en se vautrant dans un truc qui était inregardable. Et où on parlait en permanence, en sous-entendu, en direct ou en indirect, en tout cas avec une suggestion permanente qui tournait autour du nombril. Mmh. Donc vous voyez qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, si on veut faire de l'audience, et il n'y a pas de raison que ces chaînes-là n'en aient pas envie, même si elles ne veulent pas faire que ça. Alors comment résoudre ce problème-là? Puisque le fait est que la population, des adolescents en particulier, c'est vers ça qu'ils veulent aller. D'abord, j'observe que les plus forts taux d'audience se font sur des fictions de qualité, contrairement à ce que l'on dit. Alors, vous citez le cas Assis. Les plus gros taux d'audience se font, par exemple sur TF1, sur la réalisation de fictions de qualité, sur les films de qualité, sur des choses... Mais le Love Story a fait beaucoup plus que toutes les fictions. Oui, mais parce qu'il y avait un effet de nouveauté, d'attraction. C'est la première fois. Faire un Love Story qui n'est pas dégradant. Il y aura autant de public. Le dernier n'était pas dégradant. Non, mais vous dites que c'était dégradant. Je parle de Love Story, je parle de la reality show. Hein, oui. Je parlais de l'Assis. L'Assis a fait des feuilletons, a fait des fictions de qualité. Ils n'ont jamais fait l'audience qu'ils ont fait avec leur émission reality show. Où là, ils étaient dans la piscine. Enfin, Oui, mais ce ne sont pas les passages les plus controversés. On est au début. Ce ne sont pas les passages les plus controversés, je pense, de cette émission qui ont fait son succès. Les adolescents, ils n'ont pas regardé ça parce qu'il y avait de temps en temps des écarts de comportement. Ils regardaient ça parce qu'ils veulent se regarder entre adolescents. Et le jour où il y a une chaîne populaire qui acceptera de faire une émission, parce que je pense que les adolescents sont plus intelligents que les adultes qui les manipulent dans cette émission. Ils ne sont pas si idiots que ça. Et ce que les adultes leur montrent par leur propre fantasme d'adulte, ce n'est pas forcément ce que les adolescents veulent voir. Les adolescents veulent voir leur père, P-A-I-R-S, vivre pour voir ce qu'ils parlent, ce qu'ils se disent entre eux, etc. Et c'est souvent les choses les plus anodines que les adolescents regardent, parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe dans la tête d'autres adolescents. Et moi, je pense qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire à faire. C'est une émission de ce type, mais conçue par les adolescents. Et on aurait beaucoup de surprises. Et je pense que l'émission serait bien plus intelligente et peut-être même davantage regardée. Vous dites que gros ce que beaucoup de gens dans les radios ont fait au moment où les jeunes étaient consommateurs d'éditions, en particulier des émissions faites pour les jeunes. C'était Salut les copains en son temps, etc. On ne peut pas s'inventer le goût des jeunes quand on est plus jeune. Quoi. C'est ça que vous dites. Je pense. Oui. Un sujet qui est quand même très intéressant, c'est celui des crèches. Le plan crèche, vous avez proposé 1,5 milliard de francs. 40 000 places par an. Une chose qui est très intéressante, c'est que pour les 2-3 ans, créer un service de garde
d'urgence à domicile. Oui. Ça veut dire qu'on prévient la veille, par exemple. C'est oui. ça que ça veut dire. Oui, ça veut dire qu'on obtient quelqu'un qui peut venir garder l'enfant à domicile. Oui, ou en cas de maladie ou. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ou même j'ai assoupli les contraintes de fonctionnement des crèches pour que les crèches aient le droit d'accepter les enfants en urgence, en surnombre. Parce que dans la journée, finalement, ou quand un enfant est malade, on peut très bien en prendre un autre sur le quartier. Donc oui, j'ai assoupli administrativement cette possibilité-là. Parce que c'est même le vrai frein, le vrai seul frein qui existe encore. Alors, qu'on peut régler forcément facilement quand on a les moyens. Quand on a les moyens, on a la nurse. Mais moins on a de moyens, moins on a un métier rémunéré. Et plus la garde de l'enfant pose problème. Quoi. Oui. Hein, le seul vrai frein à l'épanouissement professionnel et aux carrières sans interruption, en tout cas suffisamment lourde pour qu'on perde l'acquis, c'est évidemment le fait de la maternité. Et donc, portez votre attention sur ça. Réel ou supposé, hein. Parce qu'il y a des femmes qui ne manquent pas une journée de travail, même avec des enfants en bas âge, qui sont quand même payées 30% moins cher. Oui. Donc on fait payer bien chèrement aux femmes le fait d'être mère potentielle. Parfois même sans pénalité pour l'entreprise, y compris en termes de rentabilité du travail. Alors dans les programmes Dans les 2-3 ans, l'idée c'est que j'ai créé des classes passerelles, c'est-à-dire des classes intermédiaires entre la crèche et l'école maternelle, parce que je pense qu'à partir de 2 ans, tous les enfants ont envie d'être avec d'autres enfants. Et dans l'avenir, il y aura le chèque enfance, c'est-à-dire comme le chèque service restaurant, c'est-à-dire un dispositif qui sera exonéré de toutes les cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu pour les salariés, et donc faire rentrer dans l'entreprise, dans le dialogue social de l'entreprise, la question de la conciliation des temps. Et donc dans le rapport social, dans le rapport de force sociale, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de femmes, et j'espère demain beaucoup de pères, et qu'ils revendiqueront aussi les modes de garde pour leur enfant quand le partage des tâches sera une réalité. Actuellement, c'est une foutaise, actuellement, pour que l'enfant... Pour qu'un tribunal, quand il y a divorce avec décision juridique... Ah mais ça va changer, parce que j'ai fait voter la garde alternée. Vous avez vu ça, hein, c'était... Donc le père et la mère... Oui, mais ce n'est pas suivi des faits dans les... Ah, je peux vous dire, alors là, il y a une révolution... Les jugements, vous croyez ? Il y a une révolution dans les tribunaux. Avant même que la loi ait été votée, le seul fait de communiquer et d'annoncer que ça... Ça suffit, parce qu'avant, c'était 90%. C'était hallucinant. Il fallait que, pour que le père ait le droit à la garde des enfants... Il y avait beaucoup de pères qui ne le demandaient pas. Bien sûr, mais enfin... L'image du père qui revendique la garde de son enfant, c'est encore assez marginal. Trop content que sa femme s'en occupe. Alors, dans le plan qu'on appelle le plan Jospin... Oui. Et dans ce qui concerne un peu votre activité, en particulier donc sur les crèches, etc., il y a des avancées prévues, il y a des choses intéressantes. Mais il y a le troisième fonds crèche, puisque là on vient déjà de le rétablir. Il y a le chèque enfance qui va permettre aux entreprises de contribuer au dispositif, plus l'encouragement donné à la création de crèches d'entreprise. Et puis il y a une idée qui me tenait beaucoup à cœur, ce sont les internats familiaux de proximité. Qui répond au problème que l'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, je crois que si on veut vraiment finir avec l'augmentation de la délinquance des mineurs, il faut s'y prendre très tôt. Il faut épauler les parents, il faut seconder les familles. Il faut repérer les enfants en difficulté de façon très précoce. Et il faut créer des mini-internats de proximité dans les quartiers, sans disqualifier les parents. Donc, où on met aussi, en les associant, des parents relais, des réseaux de femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules avec leurs enfants, que ce n'est pas facile, un ou deux éducateurs en liaison avec l'école et en restructure. J'ai connu un ministre de la ville qui avait fait les maisons du citoyen comme ça. Oui. Et donc, avec tout ce dispositif-là. Oui. Je crois que c'est très important. Dans la perspective des élections qui arrivent, vous aviez en 93, je crois, vous aviez passé les examens d'avocat. Oui. Hein? Oui, oui. Et est-ce que c'est un métier qui vous aurait plu si vous n'aviez pas fait de la politique? Beaucoup. Est-ce qu'il est possible qu'un jour vous disiez j'arrête la politique et je redeviens avocate? Je ne crois pas. Je pense qu'à ce stade, non. Il n'y a que la politique qui vous passionne. Oui, je pense, oui. Il n'y a que ça qui vous passionne. Quitte à ce que ça soit député, vous pouvez. Ah oui, ça me. Absolument. Hein? Revenir à l'Assemblée. Si la gauche perd les élections, par exemple. Oh, je ne peux. D'abord, je pense qu'elle ne les perdra pas. Vous seriez triste, je ne veux pas cautionner ça. C'est votre pronostic. Elle reviendra très vite, en tout cas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? 5 ans. Parce que je pense que... Ça peut ne pas durer 5 ans ? Je pense que par rapport aux enjeux, aux problèmes qui sont posés devant nous, je crois que la gauche est quand même mieux à même de régler les problèmes.
Je crois que dans la, on dit beaucoup sur la, la question de la sécurité, sur la question de la famille, sur la question des retraites. Je pense que être farouchement attaché aussi à gérer les choses correctement, en solidarité, en justice sociale, en sérieux aussi, en unité, hein, dans la gauche plurielle. Je pense que je crois que ça a un sens, hein, cette unité de la gauche plurielle, vraiment par rapport. Vous ne croyez pas qu'elle existe moins à partir du moment où le Parti communiste risque de prendre conscience qu'il y a laissé tellement de plumes électorales? Je crois que ces élus sont bien la implantés. Il hein, faut dire la vérité. Non, mais... La vérité, c'est que le Parti communiste qui a joué le jeu avec vous dans, la, dans le cadre de la majorité plurielle, où Robert Hue a été un partenaire, on peut le dire, un partenaire à la fois correct, fidèle, faisant savoir ses différences, mais il va faire un constat, il risque de faire un constat douloureux. C'est que si le Parti communiste est réduit aux alentours de 5%, il est probable que beaucoup des communistes ne s'y retrouveront pas et trouveront que Robert Hue les a amenés dans le mur en acceptant de collaborer à un gouvernement mené par des socialistes et donc assez éloigné de leur philosophie, il faut dire la vérité. Oui. Il risque d'être un peu moins passif, ou en tout cas, il risque d'être plus du tout celui-là. Sauf qu'il y a les élections législatives derrière. Oui, mais le calcul, je comprends bien, mais chacun ne peut pas se tenir par la barbichette toute la vie. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que les élus communistes sont des élus très bien implantés. Mais les électeurs ne sont pas les élus communistes. Oui, mais il y a un groupe parlementaire. Donc la majorité plurielle, elle se fait aussi sur un groupe parlementaire. Oui, mais elle se fait sur des idées partagées par tout le monde. À partir du moment où elles sont partagées, pas par tout le monde. Prenez les Verts, c'est pareil. Les Verts commencent à revendiquer un certain... Bon, il y a les élections, et puis il y a après les élections. Je sais ça par cœur. Il y a, l'indispensable attitude qui amène les élus à se rendre les ascenseurs pour qu'ils soient élus. Mais après, il faut quand même avoir des idées qui soient proches les unes des autres. Or, beaucoup de communistes ne retrouvent pas leur compte, ne serait-ce que quand on entend exprimer leurs exigences sur l'interdiction de licencier, sur la manière de gérer l'économie. Ils ne sont pas en accord avec les réalités telles que Jospin ou Strauss-Kahn ou Fabius les exposent. Mais ça, c'est la liberté de l'identité politique. Et ensuite, quand on gouverne ensemble, on se retrouve sur une plateforme d'action politique. Bon, non, parce que... peut-être je me trompe. Non, moi j'ai vu fonctionner ce gouvernement pendant 5 ans. Mais ils ne sortaient pas d'un échec électoral comme celui qu'ils vont connaître là maintenant. Ils ne sortaient pas d'un 5% ou d'un 4,5%. Vous imaginez dans le panorama... si, non, mais pour l'instant, Dieu merci, ce ne sont que des pronostics. Mais il peut se faire que les pronostics deviennent réalité. On verra. Arlette Laguiller fait 9% et que M. Robert Hue fait 4,5% ou 5%, je pense que ça va quand même branler dans le manche. Un peu. On verra. On verra. C'est une là chose où... l'élection présidentielle, une autre chose aussi, l'implantation des élus locaux. Et ça, ça compte. Ça compte pour le Parti communiste et pour la gauche plurielle. En tout cas, on vous sent optimiste. Oui, je suis optimiste. Armée optimiste. Vous allez faire des meetings un peu? Oui, un peu, oui. Alors, la prochaine semaine, c'est quoi, par exemple? Là, je vais avec Lionel Jospin à Marseille. La semaine prochaine, au Creusot. Là, Marseille, ça devrait être un gros succès, non? Je pense, oui. Ah bon, oui. Mais tous les meetings sont une mobilisation extrêmement forte. Grosse mobilisation. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté votre invitation. Et on a pu découvrir, parce que je disais toujours, souvent, les actions de certains ministres sont moins connues que le ministre lui-même. Et vous faisiez un peu partie de ça. Beaucoup de gens, quand j'ai préparé l'émission, et quand on checkait l'ensemble des mesures, mais... C'est incroyable, oui. À 40 ans de politique. Oui. Ça prouve que vous êtes active. Voilà. Merci de votre... Merci à vous.